j'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, ça va nickel. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous présente 5 produits high-tech utiles. Juste avant que la vidéo commence, je tiens vraiment à m'excuser parce qu'en fait, j'ai une petite angine et ça m'évite de parler plus fort dans la vidéo. Donc, c'est pour ça que je suis un peu mou. Je suis vraiment désolé, mais je voulais vous sortir une vidéo à temps. Donc, je vous prie de m'excuser pour ce manque de motivation dans la vidéo. On va commencer par le plus gros bijou, le voici. La Creative Muvo 2. Une enceinte Bluetooth compatible avec Android et Apple. C'est une enceinte Bluetooth avec un design très bien fait. Devant, on a de l'aluminium pour la face où il y a les haut-parleurs. Et derrière, on a du plastique. Donc, c'est une enceinte grise. On pourrait dire gris mat ou gris sidéral. Et franchement, c'est très bien fait. Sa puissance est de 10 watts avec un son stéréo. Pour l'autonomie, on a une autonomie d'environ de 10 heures. Donc après, voilà, tout dépend de votre utilisation. Si vous mettez le son fort tout le long des 10 heures, vous verrez que ça ne tiendra pas 10 heures. Ça tiendra à peu près 7-8 heures, mais voilà, pas plus. On a le MP3 intégré, donc qui dit MP3 intégré dit micro SD. Donc ici vous insérez votre micro SD et comme ça vous pouvez écouter vos musiques. Donc elle est IP66, donc elle est étanche à la poussière. Elle est protégée aussi par les jets d'eau puissants. D'ailleurs, si vous ne comprenez pas les IP graphiques, je vous invite à aller voir ma vidéo qui est dans la description de la vidéo. On a 4 coloris au choix, donc du gris, du bleu, du noir et du rouge. Donc moi pour ma part c'est du gris. Tout ça pour 60€ chez Amazon, donc c'est vraiment pas cher du tout pour une enceinte avec toutes ces caractéristiques que je vous ai présentées. Si vous êtes intéressé, le lien est dans la description de la vidéo pour acheter ce produit. On continue ce top 5 par la Xiaomi, donc c'est la Mi Band 2. Une montre connectée compatible avec Android ou Apple, avec un écran LCD tactile donc qui permet d'afficher l'heure, la date, la cardiofréquence, etc. Elle est IP67, donc elle est étanche à la poussière et vous pouvez l'immerger sous l'eau jusqu'à 1 mètre. Donc si vous souhaitez changer de bracelet et vous appuyez sur votre Xiaomi, vous la sortez par-dessous et voilà, après vous choisissez votre bracelet de votre choix sur internet et ensuite pareil pour la remettre, on prend la Xiaomi, on la glisse par-dessous ou par-dessus, c'est mieux dessous et ensuite voilà, on pousse et voilà, elle est calée correctement. Pour la charger, c'est très simple, on la ressort et ensuite on prend le câble qui est fourni ici, hop, et sur le côté de la Xiaomi, j'ai deux petits points. Et donc je glisse la Xiaomi là-dedans et voilà, et ensuite on branche ça sur notre secteur ou sur notre PC et ça chargera. Avec une autonomie de 3 à 4 semaines, voire 1 mois, donc c'est vraiment énorme. Tout ça pour 32,88€ chez Amazon. Pour les gens qui n'ont pas trop les moyens, vraiment foncez-y dessus parce que vraiment c'est un très bon produit. Une perche selfie Bluetooth de la marque Tenium qui accepte les téléphones jusqu'à 4,7 pouces. On peut s'en servir pour faire des selfies ou des photos à distance. Pourquoi j'ai des photos à distance? Tout simplement parce que ce produit a un Bluetooth très puissant. Donc vous pouvez mettre votre téléphone par exemple dans un coin de chambre. Vous prenez votre perche à selfie, vous la mettez derrière vous, vous appuyez sur le bouton et ça déclenche la photo automatiquement. Elle est compatible sur iOS et Android, donc pas besoin d'installer l'application. Vous avez des réglages Bluetooth et ensuite vous la connectez. 30€ pour ce produit, vraiment c'est abusé. Moi j'aurais mis le produit à 20€, là c'est vraiment trop abusé. Mais bon, moi je peux rien faire. Je peux pas baisser les prix, donc voilà. J'ai oublié de vous dire, il est disponible chez Darty sur commande si vous voulez. Je l'ai pas trouvé chez Amazon. Chez Amazon, il y a des perches selfie de la marque Tenium, mais c'est pas le même modèle. Si votre téléphone n'a pas une grande autonomie, eh bien moi je vous conseille d'acheter une batterie externe de la marque Bluesim. C'est une batterie de 10 000 mAh, c'est vraiment énorme. Elle est très fine et très légère, vraiment c'est très très bien fait. La qualité du produit aussi, elle est très bien faite. Le seul petit souci, c'est que si on pose son doigt, ça garde les traces de doigts. C'est vraiment très très salissant, donc voilà. Si vous vous bougez beaucoup et que vous amenez cette batterie partout, elle va vraiment vite se salir, donc voilà, c'est bien dommage. Elle a deux sorties USB avec 4 lettres qui indiquent le niveau de batterie qui reste dedans. Un bouton pour l'allumer et une entrée in pour recharger la batterie externe, parce que oui, il faut bien la recharger. On a deux coloris au choix, noir et blanc, et tout ça pour environ 15€ chez Amazon. Et si 10 000 mAh ça vous va pas et que c'est trop gros, je vous conseille d'acheter la RAV Power. Donc c'est une batterie externe de la marque de chez RAV Power avec 3350 mAh. On a une sortie USB avec la technologie iSmart. Qu'est-ce que c'est iSmart? C'est tout simplement une recharge rapide et intelligente. Donc tout simplement ça va recharger votre téléphone plus rapidement et intelligemment. Donc c'est-à-dire que ça va pas abîmer votre appareil. Dessus on a un petit bouton avec 3 lettres qui indique le niveau de batterie qu'il y a à l'intérieur. Elle est vraiment légère. Pareil que la Bluesim, elle fait presque le même poids. Moi même je dirais qu'elle est un peu plus lourde. En même temps c'est un design aluminium, c'est pas du plastique. Ça c'est du rose un peu flashy. On a 4 coloris au choix, du bleu, du violet et je sais plus, il y en a d'autres. Donc si vous êtes intéressé, le lien est dans la description. Tout ça pour 11,49€ selon votre choix. Pourquoi je dis selon votre choix? Parce qu'il y a d'autres couleurs qui sont pas tout à fait du même prix, qui augmentent de 5 centimes à peu près.
Donc mes amis, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si vous n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si ces produits vous intéressent, vous pouvez les retrouver dans la description de la vidéo. Si vous avez aimé aussi le top 5, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de la vidéo et de lâcher un pouce bleu. Moi comme ça je ferai un autre top 5 ou un top 4 ou un top 10 dans une prochaine vidéo. Petite parenthèse avant de vous quitter, si vous venez d'arriver sur cette chaîne YouTube, je fais des vidéos dans le domaine de la high-tech, donc je fais de plus en plus des vidéos sur le déballage de produits, des top 5, donc des top 5 un peu moins, des vidéos aussi sur l'ordinateur, donc des astuces informatiques, tout ça, il y en a une qui va arriver bientôt. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et aussi cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de mes nouvelles vidéos. Et sur ce, n'hésitez pas à aller voir mon compte Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram, mon site internet et me contacter si vous avez un problème. Tous les liens sont en description de la vidéo. Et moi je vous dis à plus pour une future vidéo. Salut !